napoletano del 1600. Edizione dell'Enciclopédie. Cosa pensi di fare? Mentre la colla qui, passi appunto avvicinarli e poi con il velo andare a coprire. Mm. Sì, penso che sia sufficiente. Le moteur de mon activité vient de ma formation, tout d'abord, et un véritable amour pour le patrimoine écrit, que ce soit en manuscrit, imprimé, que ce soit archive ou bibliothèque. C'est le témoignage de notre histoire. On a des Corans, des sujets religieux, mais on a une grande variété de sujets tels que la littérature, l'histoire, l'astronomie, la médecine traditionnelle. Et bien sûr, on a des documents des familles qui témoignent vraiment de la vie culturelle, commerciale de la ville à l'époque. La dégradation est un processus qui va assez vite, d'autant plus dans des conditions environnementales extrêmes telles que celles de Tombouctou, avec la chaleur et avec l'humidité élevée que l'on trouve pendant la saison de pluie. Il y avait des insectes, il y avait aussi des moisissures. Dans d'autres bibliothèques, j'ai vu que ces processus avaient été tellement avancés qu'on ne pouvait plus intervenir. Donc c'était important de protéger les manuscrits avec des boîtes de conservation et des solutions adaptées. Mais quand tu fais ça ici, la colle en excès, ça va sur le carton. Le pilier de notre intervention, c'était la formation du personnel qui était présent dans la bibliothèque, de façon à transmettre un savoir-faire sur la conservation, sur l'évaluation de l'état de conservation et sur la façon d'intervenir. Alif nous a aidés de façon cruciale, non seulement pour le soutien financier qu'on a reçu pour le projet, mais aussi un support humain, d'autant plus dans une période si difficile comme en 2020. Bonjour, Ibrahim Omar. Donc encore une petite vidéo à propos des papiers japonais pour la restauration. C'est important, d'autant plus dans des lieux et dans une situation sociopolitique après-crise, comme on vit au Mali, de donner des opportunités sur place pour éviter que les jeunes partent ailleurs, donc pour éviter aussi le dépeuplement des lieux. On insiste beaucoup sur ça parce que le patrimoine de notre histoire peut représenter aussi le futur pour les jeunes. L'échange avec les membres de la famille et en général avec la communauté
côté de Tombouctou, mais appris de plus en plus sur la ville, sur la vie, sur l'histoire et sur la façon dont la société se rapproche à ce type de patrimoine. Le résultat qu'on a atteint nous a donné l'envie et l'espoir de pouvoir continuer à supporter les bibliothèques et les archives au Mali. On est en contact avec d'autres institutions qui sont intéressées pour la conservation des collections, conservation et mise en valeur.